On pensait que c'était plutôt un boulot d'homme de se mettre devant une machine, de s'accrocher, de faire le guerrier sauvage. Pourquoi fort. C'est vous qui êtes allé alors? Eh bien parce que on ne sait pas. On ne sait pas parce que pour nous c'est une évidence que ouais. Si on veut arrêter un chantier, on se met devant une machine, donc on y va. Ouais. Mais il se trouve que c'était que des femmes qui avaient ce courage-là, parce ouais. Qu'il y a eu des hommes, mais les hommes ils se mettaient plutôt en arrière-plan à filmer. Ils n'avaient pas envie de prendre un armlock et de s'accrocher à une machine. Ouais. Donc peut-être au fond, les femmes ont soit un courage particulier qu'on a découvert, mais aussi peut-être un rapport au vivant, plus viscéral, moins rationnel. Ouais. Sincèrement, ce qui me pousse, c'est l'amour. Ok. C'est tout. C'est tout. J'aime. Je suis amoureuse complètement, mais totalement. Alors, d'ailleurs, de quoi, de la montagne. D'accord. Et de tous les et tous les êtres qui y vivent. Et moi, de Marc Fenette, je vois une énorme cicatrice, une énorme blessure sur le flanc. Deux d'ailleurs, ils sont deux les cicatrices. Et sur le flanc de la montagne là, et c'est comme si toute la montagne était en train de d'agoniser en disant. Merci. Bravo les filles, hein. En tout cas, très admirative. Nous on est admiratifs en réciproque. Hein. Ouais. Je suis en train de me préparer une grève de la faim, mais je me demandais est-ce qu'il faut d'abord beaucoup manger. Non, parce qu'elle, elle peut dire qu'elle a commencé déjà il y a deux semaines. Hein. Ouais, tu peux déjà dire que tu as une grève de la faim, toi, je pense. Ben, je mange qu'à moitié en fait déjà, donc voilà. C'est pas très difficile pour moi d'enlever après, après moi le problème c'est que j'avais rien préparé, le lendemain j'étais en grève de la faim. Alors, moi j'ai pas fait de descente alimentaire de rien. Ah, et j'ai repris la bouffe comme j'ai arrêté de bouffer, hein, donc je me suis éclaté le bide. Hein. Non mais à mon avis ça va... Moi je te conseillerais de pas le faire honnêtement. T'es déjà assez fine pour pas perdre. Tu me dirais, tu serais un peu comme ça, je te dirais ben, ça te ferait déjà moi, ça te fera pas de mal. C'est que je meurs au bout de 3 jours, je suis pas obligée, ouais, je suis pas obligée d'attendre un mois. Ouais mais le but c'est de pas mourir quand même. Pas le but, Il y a 20 000 panneaux solaires, donc vous multipliez par 4 par panneau solaire les pieux. Et chaque pieu nécessite une perforation du sol qui est du rocher en dessous. Donc c'est des énormes machines qui font des trous à 1,50 m. Et donc il y a autant de trous que de pieux qui ont été faits par des engins de folie qui font un bruit de folie aussi. Tout autour, il y a une route. Une route, ils ont créé des routes qui tournent tout autour de ce site. Donc il y a un autre site de l'autre côté qui est le même. Chaque site fait 9 hectares et demi. C'est des énormes machins, on ne peut même pas imaginer que ça existe. Et donc qui arrachent le sol, qui
qui creuse, qui détruisent. Donc on est surveillé là. Donc on a l'habitude. Tout ça pour dire que quand on nous dit que les panneaux sont juste posés sur l'herbe et que de toute façon les oiseaux vont revenir, il n'y aura rien qui va repousser. Rien. Et d'autant plus que... parce que de toute façon, même si on leur dit c'est sur les toits qu'il faut les mettre, ils ne les mettront pas sur les toits, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est des immenses hectares pour mettre, pour que ça leur coûte moins cher, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hectares à la fois. Et ce qu'ils veulent, c'est des régions sauvages, c'est des terres. Donc ici, c'est les forêts, un peu plus bas, c'est les terres agricoles. Ça va arriver de partout, ça arrive déjà, nous on le voit sur l'Ure, 1000 hectares, mais c'est que le début, ils veulent multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable. Donc ils cherchent partout, tous les villages. Donc c'est très important que vous soyez là pour comprendre que c'est ça une centrale solaire. C'est pas des panneaux posés directement sur le sol. Même si on comprend que déjà enlever les arbres, c'est fou, c'est complètement incroyable de faire ça encore aujourd'hui, mais après, ce qui est fait sur la terre, sur le sol, c'est encore pire. Voilà. Merci beaucoup. Mes enfants, mes parents, mes amis, dansez-le d'après pour repousser la mort, traquer la rague jusqu'au bout de la vie. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour verser mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas, car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, 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 que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Vous êtes malade!